Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Théo Delrieux, où aujourd'hui on va faire un peu de moto et de quad avec le quad Sim 250 cm3 et la Peugeot XPX 50 cm3. Alors je vous dis bonne vidéo. Alors pour bien commencer la vidéo, Théo au début a oublié son clignotant droit du quad. Alors vous allez voir, on va pousser une petite gueulante sur la moto. Alors regardez, c'est parti. Alors petit chemin, une petite descente maintenant, on va attendre Théo. Alors après je vais filer la caméra. Allez, démerde-toi là, oh! J'ai fait exprès! Allez, passe, passe! Putain, je l'ai arrosé le type! Vite! Ah, ce Théo, je l'ai arrosé! Ah,
Allez, c'est parti, on va suivre Rémi dans la descente. Si Sabrel veut démarrer, c'est bien. Bon, il va faire une phase. Donc, je disais, avant qu'elle cale la moto, je prends la moto. Attends! Je disais avant qu'elle cale. C'est bien, merci. Rémi prend le quad, là. Je prends Sabrel. Et on y va. Allez, c'est parti. Bon, moi j'y vais doucement parce que je suis moins confiant des cadres. Même si j'aime la moto, voilà. Je préfère y aller en moto doucement parce que c'est pas la mienne, en quad c'est mieux. Je préfère monter en moto que descendre en fait. Si c'est là. Là ça tape pour un cul. Vive les pommes. En fait, il prend la tranchée la plus pourrave. Rendez-moi ce barjo, il connaît pas le chemin, il y va comme un enculé. Oh putain, je vois rien sur sa merde. Y'a pas de feu. Bon, on va y aller mollo parce que c'est gras et j'ai pas de feu sur la baie. Eh, il fait 100 mois dans les sous-bois sa grand-mère. Hop là. Du coup, si tu veux que je te file, va moins vite. Lui, il a pas compris qu'en quad, ça va, on peut aller plus vite dans les descentes qu'en moto. Il est con. Hashtag, dans les commentaires, Rémi le fou. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, le kilotin, ta grand-mère. Voilà, maintenant ça va être moi qui va avoir oublié le clignotant sur le quad. Alors regardez, Théo va gueuler encore une fois, c'est parti. Ah, il a clignotant, ça a foiré la lumière. Wow, ton clignotant. Ton clignotant. Désolé si ça gueule, mais merci. Bon, il va passer dans un ruisseau, alors on va y aller mollo parce que j'ai pas envie de me faire asperger comme tout à l'heure. Oh putain, il y a une bosse. Wow. C'est kiffant quand même en moto. Hein. Non, il veut dire. Bon, c'est pas la première fois que je fais de la moto, ouais. Je me rassure, je fais de la moto depuis 4 ans et demi. Donc ça va, mais bon, c'est pas ma moto, donc si je me casse la gueule, ça me fait un peu chier. J'ai pas envie de payer. Ah, il est content là. Allez, on va dans. Bon, du coup je récupère mon bébé et Rémi passe devant pour la montée. Ah là c'est mieux là. Là je m'amuse. Là ça va monter les gars. Oh, t'es pas obligé d'envoyer toute ta merde. Il est obligé de m'attendre, j'ai pas eu de casser la gueule.
Alors attendez, parce que là il y a le virage, on voit ça va être coupant. Alors là ça va être à droite. Là c'est là, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Par où il va passer? Attendez, prochain boulot. J'ai mangé un an. Attendez, moi je passe par là. Putain, je viens de bouffer un an. On va s'arrêter parce que je vais m'enculer l'épaule en rentrant devant. On va s'arrêter, je vais m'enculer l'épaule les gens. Je passe devant. Donc on vient de s'arrêter 2 minutes pour voir si le quad avait rien et si Théo avait rien, donc c'est bon, y a rien eu, le quad n'a pas de mal, ni Théo, alors on repart de plus belle, allez c'est parti. Il y a les boulots, j'ai pas envie de vous retrouver en un arbre. Ouais en fait je me suis fait surprendre, parce que... J'ai réaccéléré comme un con alors je savais qu'il fallait pas que je m'accélère et j'ai le cul du quad qui est en fait parti et ça m'a projeté dans l'arbre et du coup voilà quoi. Bon allez hop là on arrête. Bon, je vous repasse votre proprio. Là on va arriver au stade et on va faire le tour du stade. Alors là, désolé, il y a mon protège-main qui vient de se barrer en couille à gauche. Alors, je me suis pas rendu compte sur le moment, mais je m'en suis rendu compte le lendemain matin que mon protège-main s'était cassé la gueule en fait. Alors voilà. Virage, un petit boss.
amis. Fin de vidéo, on espère que ça vous aura plu avec le quad et la moto. Théo vient de réparer la lumière de la moto qui ne marchait pas, donc ça marche maintenant. Putain, le scotch il se barre là. J'ai foutu le scotch. Bon les amis, sur ce, avec Théo on va vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Allez, ciao.